Yeah. On a fait ce qu'on a pu. On a chanté nos rêves et comme du fer, on a cru que la paix vaincra le glaive. Mais c'est la faute à qui? Qui est responsable? Qui prendra la balle à la place des coupables? Parce que tout le monde s'en veut, tout le monde s'accuse, tout le monde est Dieu, donc tout le monde refuse de reconnaître ses défauts et tout le mal qu'il a pu faire sur la langue des tribunaux que de vengeance et de colère. Tout le monde a raison, chacun défend sa cause. Sur le toit de chaque maison, on incendie nos champs de roses. Tout le monde sait, tout le monde a dit. Et quand Dieu se tait, le diable fait du bruit. On ne compte plus les échecs portés par des hommes qui au départ étaient convaincus qu'ils tenaient la recette qui sortirait le peuple de cette direction sans but. Des leaders, il n'y en a plus. Quand les jeunes regardent les vieux avec des mots se mettre à nu. Mon pays est à la rue. Je prie pour que jamais ne sonnent les sirènes de l'ONU. Le problème n'est pas ethnique. Le diable a un visage aussi politique. Diallo n'est pas mon ennemi. Satan a le langage des sales rhétoriques. Le malheur on a sans commun, mais nos intérêts marchent en individuel. Le navire ne fait pas front commun. Nos intellectuels sont toujours en duel. Le confort est wagalais sous les larmes d'une armée dans le silence de la dignité. Les morts ont la vingtaine sous le charme des parents à la conscience pleine de pureté. Peuple de Haute Volta, soldats au front de tous les combats, Burkina de Thomas Sankara, jamais les Chines tu ne courberas. Que chaque homme porte son béret, avance dans le calme des compaorés. On a du cœur, on est des guerriers, notre allure fait peur comme Djedjeré. C'est nous contre les Annie, Jean-Baptiste et Telengani. Courageux face aux démons, la rage s'appelait Boukari le lion. Et si l'histoire nous avait mis à dos, voilà que la vie nous remet en face du sacrifice de Norbert Zongo qui nous fera briser le mur de glace. Insurrection de l'unité sous la bannière de la rage et la force de nos OSC. On le sait, braves sont nos héritiers. Yacouba Zidane est un bouclier. Notre histoire a ses héros, ces hommes avec leurs qualités mais aussi leurs défauts. Et j'entends encore au loin l'écho des luttes, des combats de Michel Cafondo. Que Christian ne doute plus de rock, la route sera longue si on ne marche pas en bloc. Mais éternellement en opposition, sommes-nous le Burkina de la division. Il nous reste si peu de temps, pas sûr que dans 20 ans on soit encore du monde des vivants. Que laisserons-nous en héritage aux enfants des querelles de politique, la désunion et du sang? Nos martyrs sont dans le tourment, on fonce droit vers le dernier tournant. Nos sourires n'ont même plus de temps, moi je le trouve avec Moussa, le petit sergent. Damiba n'est pas seul président, il y a un chef d'état en chaque capitaine. Ce texte est écrit pour les résistants, la patrie ou la mort nous sortirons vivants.